Oui, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions emmené Franklin suivre un architecte. Ça avait pris des heures, on n'en pouvait plus. Et donc, il avait récupéré cette mallette de manière extrêmement discrète. Puis, nous avions rendez-vous, nous devions sortir du chantier. Il y a eu une course-poursuite dans le chantier. On était poursuivis par des hommes torse nu qui nous poursuivaient avec des truelles en disant « Rendez la mallette !» Et on n'en pouvait plus, c'était chaud, extrêmement difficile. Bref, on a quand même réussi à sortir du chantier en passant par des escaliers absolument fous. C'était hyper dur à trouver parce que le chantier était super bien sécurisé, mais finalement on doit arriver dans cette usine de vêtements. On a quand même réussi à s'y échapper. C'était dans l'épisode précédent, je vous invite à le regarder, c'était quand même méga chaud. Et voilà, donc là on y va, on va arriver sur GTA dans l'usine de vêtements et pour dire hey Lester, on a les plans, les plans du V2 bien sûr, voilà, on les a. Et bien pour faire le coup, mais hey, you got him? Of course I do, homie. Of course I do, homie. Thank you. Yeah. So. All good? Sure, homie. So is this shit for real? Hello. We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. Hey, right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. Écoutez comme vous voulez. So we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Trop classe. Alors moi, je préférerais les pompiers. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. Ouais. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're not playing. Salut, Youpi Lala 87. Show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau, so you can torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. What about the other way with the ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access to the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Non, la serpillière. La serpillière. La serpillière. Par le feu ou par les airs? Par le feu, soyez purifiés. Je vais essayer une approche pour le braquage. Ça y est. So you do want a mop. Okay. Well, alors comme on s'en fout de la part, they'll go in with you, on prend les plus talentueux, comme d'habitude. Gus Moda. Hop. He's a pro. Not much else to say. Not much else to say. Oh, et après on doit se taper un nul, forcément. Alors, plutôt de la santé, plutôt de la précision, de la cadence de tir. Un mec qui a plutôt de la santé au cas où je mette du temps. Well, voilà. Should be okay. He's got a few scores left le in him. Feu. Okay. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Yeah. On braque le FBI. Formidable. Ça me paraît bien. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Allez, right, ça va le faire. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. You know who? Well, as long as he can't do it without us. Okay. Tant que lui va le faire sans nous. Et là, Trevor débarque dans l'Union Depository tout seul. Il prend 1 milliard de milliards et il a gagné. Pas mal. Vous avez besoin d'un véhicule pour vous enfuir. Allez. Ah, c'est la voiture de Jimmy avec les jantes en dollar. Les fameuses jantes en dollar. Voiture de Jimmy qui est devenue la nôtre, évidemment. Alors, vous avez besoin d'un véhicule pour vous enfuir. Alors là... Il faut donc qu'on cherche un véhicule. On a besoin d'un camion de pompier. Passe un faux appel d'urgence ou récupère un camion direct à la caserne, comme tu veux. Voilà, mesdames et messieurs, il va falloir
trouver une citadine pour pouvoir nous enfuir de ce casse, de ce braquage. Enfin, casse. Je suis heureux qu'on se soit retrouvés et qu'on essaie de faire marcher les choses. Après tout ce qu'on a traversé, on ne pouvait pas renoncer à la famille. Mongol de Calédonie vient de s'abonner et il nous a fait une donation très sympa tout à l'heure. Merci à toi, Mongol de Calédonie. Mais faut que t'ailles te coucher maintenant, tu nous l'as dit toi-même. Stop, une citadine. Ça va pas trop casse-gueule les câbles ce soir? Hein? Les câbles? Voilà, fuck! Il n'y a pas assez de place pour tous les membres de l'équipe! C'est un véhicule dont on ne peut pas se servir! I'm in trouble! What is it? Money? Drugs? Your mother? There's this guy! He's been following me around! I think he's about to do something! Quoi? Il est très ici! Oui, évidemment! Linewood Plaza! Ok, wait there! He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Et oui, nous allons aider notre fille, il y a un malade qui la suit. Et en plus, nous avons un véhicule très adapté pour ça, puisque nous avons la meilleure voiture de GTA, je pense qu'on peut le dire. Alors c'est parti pour, eh bien, l'aide à Tracy. Apparemment, elle est suivie par des abonnés. Voilà, donc il va falloir l'aider. Donc ma fille est suivie par des abonnés. Donc malheureusement, nous allons devoir aller parler aux abonnés et leur dire que la vie est injuste et qu'elle commence au Funcraft. Donc allons-y, prenons cette route, allons-y, on y va, hop, voilà, citadine, hop, c'est par là, regardez comme il est on the go grâce à cette citadine de folie. Et là on va pouvoir tourner, pousse-toi, là hop, gauche, là hop, gauche. Non mais ils sont dans un motel déjà, ils ont déjà fait des trucs. Montez dans la voiture de Tracy. Mais comment ça monter dans la voiture de Tracy? Let's go find him. Quoi faire? We should try over at Hawaiian Snow for him. Ah ouais, d'accord. Allons-y. We're looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what make. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Hey, c'est what are dads for, huh? I mean other than. Il est où? Is he here? No, he's not around. Oh zut. Il faut essayer un par un, d'accord? Where'd you meet this guy? At a signing? What are you signing? A pot petition? You better not be taking out credit like your brother. Not credit. Mais non, elle est, c'est une star, il te l'a dit, elle te l'a dit, Jimmy te l'a dit. I don't think so. Go. Maybe we should look over at Clock and Bell, Rockford Plaza. Rockford Plaza. I was signing autographs at the expo. Yep. Est-il ici? We found this prick. I am looking forward to the weekend. Not yet. Okay. Oh, no. How about going around the corner and back up the hill? Ah! Fille stupide! My baby girl's a celebrity with her very own stalker. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Ah! Purple car, that's him! Fuck! He's on to you! Let's go! Arrêtez la voiture du harceleur. Saloperie! Tu vas crever! Meurs! Pas du tout, ça n'a pas du tout marché. Die! Hein? Ah bon? Vraiment ce qu'on sent dans les... Hey, what are you running for, pal? Let's talk! Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Occupez-vous du harceleur, go! Je ne veux pas te tuer, je veux juste discuter! Voilà. Non, 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 non! Voilà. Pousse, reviens ici! Oh putain, mais Michael, c'est un gros tas, il sait pas marcher! That ain't love, it's the internet! You're a cyber creep! That is not, this is internet, il a dit. Nice! Casse-toi, la grosse vache! Oh putain, je vais le. En plus, Michael. En... Putain, non! Vite! Vite! Je vais pas lui tirer dessus quand même, j'ai pas envie! J'ai pas envie de. Ah, mais attendez, il y a un trait noir au-dessus de l'écran, pourquoi personne n'a signalé ça? Voilà. Allez, vite! Oui, oh! What? Oh merde! Oh. J'ai compris la leçon. Ouais, ouais, attends. Attends. Bon, il m'a gonflé. On va essayer de lui tirer dans les pieds. D'accord. Voilà.
Mais putain, mais... Bon. Écoutez, il me laisse pas le choix. Ah, il est mort. Mais putain, mais j'ai essayé de régler ça par la paix, mais... Comment ça, la police? Putain, mais super. Un honnête citoyen comme moi, franchement, c'est n'importe quoi. Remontez dans la voiture de Tracy. Attendez, on va se cacher. On va se mettre là. Hop. Personne ne nous trouvera ici. Je vais me mettre là, dos au mur. Les deux jambes, mais pardon. Pourquoi tu fais pas le Top Gun comme Skyheart? De quoi tu parles, Nelly Fariad? Personne ne comprend ce que tu dis. Personne ne comprend, je ne sais pas de quoi tu parles. Si vous parlez encore d'un truc que je suis censé regarder alors que je suis en plein live, ça ne va pas du tout. Oh, attendez, attendez. Ils sont là, regardez, ils sont là. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai bien géré mon escape. Oh, non, 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 non. Non, 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 c'est bon. C'est bon. On y va. Dos au mur alors qu'il est de face. Ah oui, j'étais de face, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Alors. Pourquoi tu diriges pas la France comme Hollande? Non, c'est pas un truc que je suis censé regarder, ça. Alors attendez, où est la voiture de Tracy? Elle est là-bas. Allez, bon sang. Salut! On a parlé et... What happened, Daddy? Guy had an accident. I'm sorry. Je suis désolé, mais on a discuté et il semblait tellement soupolé. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him. This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. Oh merde! My dad is one of them. Now grow up, baby. It's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. Da, 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 da. Oh putain. He really scared me, but I didn't want... Thanks, Daddy. Bye. I'm glad I could use my paternal rage productively for once. What the hell? Alors par contre, ce qui est très drôle, c'est que du coup... Moi, je voulais lui parler, en fait. Mais on ne peut pas discuter dans ce jeu. On vous oblige à utiliser la violence extrême. Alors, il faut que je trouve un véhicule, hein, cependant, pour fuir la mission, souvenez-vous. C'était ça, mon truc principal. Enfin, mon objectif principal. Par contre, mission réussie, c'est cool, mais bon, merde! Alors, ce véhicule ne peut pas servir à une fuite. Peut-être que... un break familial ferait l'affaire. Et ça! Putain, et ça? Ça peut servir à une fuite, ça? Attends, attends. Ça me servira à une fuite, ça? Ah, il peut pas, putain. C'est vraiment nul, ce jeu. Il faut un truc 4 places, c'est trop chiant. Y'a rien de 4 places qui est rigolo. Ah non. Et si je prends un bus? Si je vole un bus? Vin-10. Coucou de Cuba sur les toilettes. Bonne grosse... Hein? C'est pas tout, mais cette place de top tips, c'est pour moi. Fidel Gastro qui retente la place de top tips. Lui qui avait échoué la dernière fois. Merci à toi, Fidel Gastro. Et bienvenue sur le live. Alors, par contre, j'ai trouvé une petite... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va pas, les camions qui détruisent les villes comme ça. Hop, c'est ça. Remets la capote. Pardon. Casse-toi. Merci beaucoup. Ça peut servir à une fuite. Ah non, il y a que deux places. Oh, putain. Je cherche un véhicule rigolo à 4 places, mais je n'en trouve point. Cette ville n'a aucun fun. Ça, 4 places, ça. Ah, il y a 4 places là-dedans, il y a 4 places. Stop. Pousse-toi. C'est quoi, une Cadillac? C'est ça? Voilà. You fool. Ah, c'est cool, il sort par la portière ou il peut pas. Là, nice, vas-y, donne. Mais pourquoi il a un flingue? Quoi ce bruit? Ce véhicule ne peut pas servir. Putain, mais. Un bus. Mais ouais, un bus, mais j'en trouve pas! Et Wargamer24 vient de s'abonner, on le remercie! Bienvenue à toi! Merci de ton abonnement à Zerator Télévision! Attention!
Je ne trouve pas de bus, il n'y a aucun transport en commun dans cette ville. Il faut aussi un camion de pompiers, je sais qu'il faut aussi un camion de pompiers. Dans la rubrique Le savais-tu, c'est TV aussi une boîte qui a fait dans le hentai. Je suis très surpris lors de mes recherches Google. Ah ouais. Mais ZTV n'a jamais été le nom de ma boîte. Oh mon dieu, poussez-vous. N'oublie pas de préparer notre fuite. Voilà un véhicule qui peut passer inaperçu. Ben j'y travaille. Et après il faudra un camion de pompiers. Non mais c'est très compliqué. Je cherche. Un mec en ville qui arrête tout le monde, rentre dans des voitures, sort dans des voitures et recommence. Mais oui, mais on a dit que la ville était pleine de psychopathes. Ah, elle était pleine de psycho. Psycho! Mopé! Ça! C'est pas un bus. Oh, c'est insupportable. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. C'est quand même une catastrophe. Pousse-toi. Ah là! Oh, bougez pas! Ah mais il a pas l'air de bouger. Pardon. Oh nice. Mais putain, lâche ton flingue Michael, espèce de détraqué. Hop. Pousse-toi. Non, pas celle-là. Attendez. Attends. Là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va falloir gérer ça nous-mêmes. Alors, toi, tu vas reculer un peu. Et après, il faudra... Ce véhicule peut être utilisé comme fuite, oui, mais ça n'a aucun fun. Là, voilà. Est-ce que celui-là, il peut? Oh non, il peut pas, mais c'est un jeu de merde. Pousse-toi. Ah ouais, non, mais ouais, mais non, tu vas chercher. Oh non, et la police qui nous poursuit, mais c'est vraiment de la merde. Bon, bah on va prendre un véhicule sans fun, hein. Mais toi, je t'ai pas parlé, ok? Oh, vas-y. Ah, super, un véhicule à 4 places. Alors, on va prendre ce gros 4x4 pourri, voilà. Super. Ça t'étonne, c'est vrai qu'on puisse pas le prendre. Bah oui, ça m'étonne. Il manque 4 places, j'en ai une cinquantaine. Ok, la moto à contresens. Tout va bien. Voilà, super, ce véhicule peut me servir de fuite. Ah, bah c'est super, hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein, dans les jeux vidéo? Hein? Ah, j'attends que la police ne me cherche plus pour le faire proc en tant que véhicule de fuite. Et merde, on vient de me retrouver, peut-être. Non, c'est bon. C'est bon, ça s'est bien passé. Donc là, je suis une bagnole de flic. Et si je me rapproche trop près, je suis recherché. C'est bon. Alors, ce véhicule peut être utilisé comme fuite. Allez, c'est bon. Je rêve ou ce véhicule peut pas être utilisé comme fuite. C'est pas bon là. C'est pas un 4x4, c'est un Hummer. C'est vrai que c'est un Hummer. Salut à Orax Plétine qui vient de s'abonner à la Zerator Télévision. Là, je suis plus gros, je gagne. Pardon, madame, mais là. Bon, raccourci là. Là. Ici. Oh, la barrière indestructible. Bon, du coup, le véhicule est complètement détruit. Bon, cela dit. Oh, il y a vite Stadine qui vient de passer. Et Puri48 vient de s'abonner à la Zerator Télévision. Salut à toi, Puri48. Beaucoup d'abonnés aujourd'hui. Merci à vous et bienvenue. Cachez-vous dans un coin discret, c'est l'équipe marquée lieu comme fuite quand vous appelez Franklin ou Lester. Mais pousse-toi, je suis en train d'écraser un pauvre homme là, putain. Super quoi. Alors, on va le cacher. Débrouillez-vous pour trouver un camion de pompier. Ouais. Alors on va le cacher, je pense que là, ici, il est bien caché. Donc là, on va appeler Franklin. Alors Franklin. On peut pas le garer ici, c'est n'importe quoi. Pourtant quoi de plus discret que cet endroit? Franchement c'est n'importe quoi. Bon c'est pas grave, je trouve autre chose. Allons sur la plage, je crois que c'est à droite. Ah oh, shit, sorry. Oh putain merde. Oh, y a des hélicoptères. Pourquoi y a un hélicoptère? Super. Super. Poussez-vous. Là. Just in case I wasn't having enough fun already. Vite. Je voudrais me cacher dans la truc là. Voilà.
Voilà. Voilà. Là, on est bien caché. On peut pas aller là. Ça va être chaud. Voilà. Par contre, si on est découvert, je peux vous garantir qu'on est mort. Oh. Oh, what? What? On est mort. On est mort de ouf. Poussez-vous. Laissez-moi passer, bande de salauds. Allez plutôt arrêter les meurtriers sur les routes. Oh mon dieu, accélère. Vite. Putain, comme il a accéléré direct. C'est trop marrant. Poussez-vous. Oh, j'ai 3 étoiles, c'est la vraie vie. C'est bon, ça passe. Ça passe 3 fois. Oh merde. Oh son grand père. Oh. Vite. Hop. Vite, dans l'eau. Dans l'eau, Michael. C'est bon, c'est bon. Chut. Il y a un bateau là-bas. Nageons jusqu'à cette embarcation. Je vais me taper la Guardia Costera. Regardez. Voler une voiture de police. Mais pas du tout. Oh putain, il y a des policiers sur l'eau qui... Plonge. Comment on fait pour plonger? Je me rappelle plus. Comme ça, je crois. Pas du tout. Comme ça? Non. Comme ça? Comme ça? Je cherche toutes les touches. J'essaye toutes les touches pour plonger. Ah voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi. Vite. Bon, je vais crever hein, en me noyant, probablement. D'autant qu'il y a un truc qui montre le souffle en bas. Ah oui, 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 il y a un truc qui montre le souffle en bas. C'est bon. Par contre, te crève pas. Voilà, ne meurs pas en... Voilà. KTP 11 ou Top Gun 3 prévu bientôt. Merci pour les abdos que je me fais en tapant des barres devant Zerator TV. Alors, Biscuit Vénère, figure-toi qu'on en a parlé il y a pas plus de 5 minutes. Non, il y a pas plus de 15-20 minutes. Je crois que c'est Top Gun 3 qui sera avant KTP 11. Alors, Top Gun 3, je suis invité dedans. KTP 11, je ne sais pas encore. Mais voilà. Je me suis pas noyé. Les mecs qui étaient en mode sur le chat, il va se noyer, ok c'est mort, super, ça y est, il est déjà noyé, super, je quitte ce live, il s'est déjà noyé, ça me saoule quand il se noie, je déteste les gens qui se noient. Et alors pas du tout, je ne suis pas du tout noyé. Par contre, bah 3 étoiles, c'était la première fois que j'avais 3 étoiles, hors mission bien sûr, parce que la dernière fois, on a eu les chars d'assaut, souvenez-vous, c'était l'apocalypse totale dans le bazar. Alors l'effet mouillé est excellent, j'adore, hein, c'est formidable. Par contre, courir avec des fringues mouillées comme ça sur la plage, dans le sable et tout. Déjà, quand vous êtes complètement habillé, vous essayez de courir sur la plage, bon, vous pouvez vous en foutre partout, quoi. Du sable, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Mais vous voyez, par exemple, voiture cachée, check. Anonymous. Non, mais putain, mais ça c'est de pire en pire, les noms. C'est vrai que la voiture est cachée dans l'eau. Vous voyez, par exemple, petite maison comme ça, vous mettez la fibre dedans. Moi, je stream quand vous voulez dedans. Juste à côté de la mer et tout là. Mais il y a très peu de maisons qui sont fibrées au bord de la mer. En général, les mairies des stations balnéaires ne mettent pas d'argent dans les réseaux télécoms, mais ailleurs, là où elles ont besoin de développer leurs activités. Et c'est vrai que le réseau télécom n'est pas vraiment une priorité en général. Est-ce qu'on peut utiliser ce véhicule comme fuite? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bijou qui vient d'apparaître devant moi? Oh mon dieu, c'est... Comment ça, quel... Ce véhicule peut être utilisé comme votre fuite? Non, c'est pas sérieux. Sans deck. Alors là, mec, je comprends pas vraiment pourquoi, à mon avis, c'est un bug, mais... Peu importe. Ah non, c'était... Ah, ça laguait, putain, il parlait du truc d'avant. On peut pas éteindre les phares. Peut-être comme ça. Non, pas du tout. On peut pas. Non. Il était là depuis 5 minutes, Zerator. Ah ouais. Pardon. Est-ce qu'on est assuré pour les escaliers, à votre avis? Ça suffit. Nous, les agriculteurs, on en a marre. Opération escargot sur l'autoroute. Oh. Ça suffit. Oh, oh mais... Eh, hey, dis donc, mon tracteur, tu sais combien ça vaut, un truc pareil? Ils s'en foutent. Alors, is this really happening? Écoutez, ne bougez pas, j'ai des grenades. Yo, what the fuck? Oh, what the fuck?
Bah ok, allons à l'autre bout de la ville. Oh putain, espèce de... La partie n'est peut-être pas encore finie. Ah, c'est un arc de bébé. Putain. Oh what, ah, j'ai cru qu'il avait balancé la grenade. Échec de la sauvegarde de la séquence. Une séquence doit être tournée au moins pendant 3 secondes. Ouais ouais, c'est ça. Bon, j'avais rien compris ce qui se passe dans ce truc là. Bref, allons-y. Bon, la citadine, malheureusement garée, on ne peut pas s'en servir parce que ce jeu n'a aucun fun. Je suis désolé, vraiment. Et donc, on va prendre ce superbe véhicule nul pour notre fuite. Et voilà. Oh, ça suffit, l'alarme de la voiture là. Alors, Franklin. Il faut le garer dans un endroit sûr. Attention! Attends! I'm sorry about that. Semer les flics. Oh, mais putain, mais quoi, t'as mec? Mais c'est insupportable ce jeu vidéo en fait. On peut s'amuser au bout d'un moment. Oh! Pas du tout, il y avait une barrière. Figurez-vous. J'ai plus d'idée. Bon alors, allons-y. Non mais putain, il y a une voiture sur la plage, quoi. C'est pas la vraie vie. Elle est vraiment derrière moi. Ah non, ça va. Ça va, je l'ai semé. Enfin, après, putain, il y en a une devant, mais. C'est la folie quand même. Il y a une là, mais putain, mais. Je suis portable ce jeu. Oh, j'ai explosé les grillages. Hop, en fait, je vais là. Ah, ils savent pas, ils savent plus. Ils savent rien. Non, mais les flics, ils sont sur la plage. Enfin, je vous jure. Comment vous voulez protéger des citoyens comme ça, quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Oui, par là. Waouh, la grande rousse, trop beau, putain. Putain, c'est beau, hein. On va faire des manèges là. Il y a personne à la plage, à la foire. Bonjour. Je souhaite faire des manèges. Est-ce possible? On peut faire ce manège. Oui, bon, je suis un petit peu recherché par les flics. Mais le plaisir avant tout. Attendez. Là. Exit. Ah, ben non. Enter. Go. Ça, c'est le grand 8. Hein. Ce n'est pas le. La grande roue. Alors oui, on s'éloigne un peu de la storyline, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Super, on va faire des manèges. Appuie sur machin pour passer. Bah non, c'est tout l'intérêt. Petit drapeau de l'Amérique, hein, quand même. Il y a des gens derrière moi ou quoi? Excellent! Formidable! Oh oui! Il est pas fou, hein, il est pas fou ce grand 8. Oh oui, 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 oui. Sors! Ah non, je voulais faire Y pour. Je voulais faire Y. Bon, là on peut le cacher, non? C'est pas un V. Là on peut pas le cacher ici. Je vais quand même y arriver au bout de cinquième fois. Au bout de la cinquième fois. On peut pas! C'est un lieu trop public. Je suis plié de rire devant ton stream, merci à toi Zera. Salut Magali30, merci de cette donation. Et vive le rire. Oh putain, attention! C'est bon, je l'ai pas touché, non? Ah si, mais c'est bon, les égratignures. Attention, poussez-vous. On continue. Attention, le saut! Oh my god! Is that him? Wow! Is that Faker? Bon. Et là. Là. Là, c'est que dalle. Public. Oh. C'est public le jour, mais la nuit. On a dit qu'on faisait ça en pleine nuit. Putain. Et là. Don't be a dick, bro. I'm trying to look out for you. Just give me the keys. Whatever, Dad. Totally fine. Just had a couple of beers. What are you talking about? We had like 6 shots each. Look at you. Hey, ladies, take it easy. I tell you what, I'll drive you home. What? Anything to shut you two up. Tu es sérieux? Non. Imagine le mec.
Vous savez quoi, je vais vous ramener. Et il s'en va en même temps, tu sais. Allez, on va se mettre là, ça c'est un endroit caché, super. Voilà, hein, le jeu nous dicte ce qu'on doit faire. T'es pas sérieux, putain. Bon, ça commence sérieusement à me gonfler. Non mais c'est vrai que je fais assez peu d'écart dans la storyline, en vrai. Y'a beaucoup de gens qui sont en mode, ah il fait toujours en imp et tout, mais en fait pas du tout. Ah, c'est bon. Trop bien cet endroit, rotation. Youhou. Et là les gens croiront que c'est même pas fait exprès ce que je viens de faire, alors que tout était calculé dans le moindre pixel de rotation. Oh là, là, et là. Ah voilà. Ici. Ah, la porte est trop abrupte. Et là. Là je sens. C'est bon. Marqué lieu de fuite. Super lieu de fuite, hein, vraiment. Hey Les, that getaway car is parked where we need it. Alright, give me the location. Vespucci Canals. Good work. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? Donne-moi la location de la rue. Elle est à Montpellier. Ok, nice, beau boulot. What the fuck? We gotta call the sheriff. Alright, let's go. N'empêche, ça veut dire un truc, ça veut dire que tous les quartiers, toutes les zones de GTA approximativement ont été enregistrés par l'acteur qui fait Michael. Ça c'est bien chiant quand même. Mais bon, ils y ont pensé, c'est les petits détails de GTA qui font toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que quoi? Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Assassinat, on s'en fout. Bah il y a Solomon là, mais ça c'est le mec des producteurs de films. Bah allons voir, après tout c'est l'histoire de Michael, donc allons-y. Allons-y. Ouais, je sais pas par là. Hein. Tourne. Non, on peut pas. Faut vraiment faire demi-tour. Bon, allez, demi-tour. Solomon, vous savez, c'est pour être producteur de films, tout ça, vous vous rappelez? Ah non, maintenant, il faut le camion de pompier. Ah ouais. Un camion de pompier, là. Alors, moi, je préférerais le volet direct. Mais je ne sais pas où sont les casernes de pompiers, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, les pompiers, pardon. Parce que j'ai pas envie d'appeler. Si, on appelle. Bon, allez, on appelle. Contact. Pour contact pompier. Secours. Ouais, allô, il y a un feu là. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. The fire department are en route to your location. What? Ah bon? Ah d'accord. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça a marché. Oui, je sais, tu n'es pas contente qu'on t'ait cassé une vitre. C'est bon, j'irai chez le garagiste. Hé! Hey! Du coup, il faut qu'on enlève le repère. Comment on enlève? Ah, c'était comme ça. C'est bon, là! Relâche l'alarme! Non? Ok. Ah si, c'est bon. Alors, j'attends les pompiers ici. Ils arrivent! Vous entendez? Où sont-ils? Ça, c'est de la musique, putain. Où sont-ils? Où sont les pompiers? Débrouillez-vous pour trouver un camion de pompiers. Oui, bah j'y travaille. C'est pas possible, ce jeu qui est toujours énervé là. Trouver un camion de pompiers, bon sang, mais bordel! Ah, ils sont là! Qu'est-ce qu'ils font? C'est là, hein? Ouais, ils vont bien s'arrêter, non? Oui, bonjour, c'est moi qui ai appelé, c'était juste pour le camion en fait, merci. C'est mes abonnements, je vous invite à répondre par mail. T'en penses quoi de mon idée? Pour les animer, c'est centralisé. Oh putain, what the fuck, de quoi? Quoi, what the fuck? Pour t'éviter de répondre par mail, t'en penses quoi de mon idée? Et pour les animes, c'est centraliser les fichiers SRT afin de faire comme pour les séries, le site Addicted. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit, Dark Falcon. À vrai dire, si tu m'as envoyé un mail là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais j'avoue que j'ai. Là, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis désolé. Je te remercie de la donation. Mais honnêtement, je vois pas du tout. Mais alors, pas du tout de quoi tu parles. Je suis vraiment. M'excuse quoi. Bon, les pompiers! Alors, il n'y a pas eu de pompiers blessés, hein. D'accord? Là, on va semer la police. Chose qui devrait être réalisée d'ici environ 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Stop! Arrêtez! Arrêtez!
Non, 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 arrêtez. C'est toi, arrêtez. Alors, attendez. Non, mais vraiment, là. Il va pas tourner, quand même. Tu tombes pas, tu tombes pas, tu tombes pas. Allez, tu tombes pas, on aide. Et voilà, c'est bon. Donc là, on y va. C'est bon, ça passe trois fois. Ok, donc là, on ramène le camion de pompiers afin d'aller au FIB. Et donc là, c'est très discret. Maintenant, plus personne ne sait qu'on l'a volé. Ça fait plaisir. T'as roulé sur un pompier monstre. Ah ouais ? Oh merde, j'ai pas vu. J'étais en train de lire la donation. Excusez-moi, je ne voulais pas blesser les pompiers. Ce n'était pas du tout mon but. Je voulais juste emprunter le camion. D'ailleurs, je pourrais leur redonner. Je pourrais leur redonner, honnêtement. Moi, j'ai rien contre. Oh, parce que bon, tous ces véhicules volés, après tout... Il doit y avoir une stat interne dans le jeu de combien de véhicules on est monté dans GTA. Ça doit être pas mal, ça. On peut mettre la sirène aussi. Laissez-moi passer, je dois aller chercher le pain. La boulangerie ferme bientôt, poussez-vous. Poussez-vous. Non, je déconne. C'est à ça que servent les gyrophares. Quand vous voyez un flic avec des gyrophares en pleine ville, c'est parce qu'il doit vite aller acheter le pain. Et donc, s'il met pas ça, il peut pas griller les feux pour vite aller acheter le pain. Donc forcément, il l'active. Il est en mode, ah putain, la boulangerie. Pardon, hein. Désolé, c'était une citadine en plus, je crois. Donc voilà. Donc là, on est au fameux pont, là, où on va planquer les trucs. Ah, drift. C'était un carit. C'était un carit, c'est normal. Car hit. Oui, je dis carit, mais c'est car hit. Évidemment. Et voilà. Descendez du camion de pompiers. Mission réussie, camion de pompiers, cool. Nice, nice, nice. Et là, faut aller où, là? Lester, j'ai beau courir dans la porte, rien ne se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Hey, Lester, we got a fire truck parked around the back of your place. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Je crois qu'il y a un putain d'accident, là. Tout va bien? Oh, what? What the... Où sont les policiers? Ah, j'ai ramassé ces dollars. Putain, mais c'est... Aucune pitié, ce jeu. Bon bah écoutez, moi je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, il y a le SAMU qui arrive! Excellent! Attendez, attendez, je regarde ce qui se passe, je regarde comment le jeu GTA réagit. Alors, les urgences sont là. Ah, il s'arrête. Pourquoi? On sait pas. Ah non! C'est bon en fait. Est-ce que les urgences vont quand même aller jusqu'à écraser le type qui est là? Regardez comment se comporte l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'en bat la race. Et elle insiste, hein. Ben là, il est bien mort, hein, t'inquiète. Holy shit. Sainte merde. Ah ben, les ambulanciers, hein. Ouais, on avait déjà parlé dans les précédentes. Non, bref. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des mecs qui sont là. Non, mais va voir Lester, en fait. Faut pas aller là du tout. Oh! C'est bon, là. Ça va bien. Bon sang de bonsoir. Bon, alors. Hey. How you doing? Ah, pretty good under the circumstances. Pas trop mal vu les circonstances. Je pense qu'on va faire la pause maintenant parce qu'après sinon on n'aura plus assez de temps de gameplay. Donc on revient juste après. Vous êtes presque 5000 et l'Independence Day arrive très bientôt dans une petite demi-heure, une grosse demi-heure on va dire. Ne bougez pas. On revient juste après pour la suite. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce camion de pompiers? Est-ce qu'on va pouvoir passer à l'attaque du FIB ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu? FIB, c'est FBI bien sûr. Hein. On revient tout de suite. Ne bougez pas. À tout de suite.